Hello guys! We will win this game! Eh ouais mon pote, on va la win! Hop, listen! I'm the best! I play every day! 15h day! I'm the best! Listen! Ok, on va ban Timo. Hop, verrouille. Bannir. Excellent. Il va tous les exploser. Mec, t'inquiète pas que les mécaniques, je vais sortir, je vais faire des insects, mec, personne ne sera préparé. Dash ward Q air flash, bang. Et le mec, waouh, il s'est passé quoi, j'ai pas vu. Ça c'est quoi? Ah ça j'ai pas suivi ça, j'ai jamais été au courant de ce qui se passe, l'émission là. Bon c'est quand que tu commences? Bah mec, j'attends que ça se lance, moi j'attends que ça se lance mon pote hein. Là, à tout le monde a sélectionné leur champion, je vais être contre une Evelynn. Excellent, Evelynn, je kiffe Evelynn. Evelynn, je les écrabouille avec des sites. Je pourrais arrêter le jeu pendant 3 ans, Evelynn, ça reste squishy, ça reste déglingable. Je précise qu'on est en solo queue, j'ai pas joué 2 mois, et c'est du diamant. Hein. Et je vais quand même les exploser, hein, je précise ça aussi. C'est que je vais quand même les écrabouiller. Même en arrêtant de jouer, je vais venir, hop, je vais les écrabouiller, je vais faire 3 heures de win et on va partir sur autre chose. Excellent. Ouah, wow, alors par contre, c'est vrai qu'on se déplace avec la souris, j'avais... c'est vrai qu'on se déplace avec la souris sur ce jeu. Alors ça c'est pareil, hein. Là y a rien qui a changé. Tout est bon là, tout est bien. Oh! Une invade! Ah! Ça m'avait pas manqué, mec. Ça, même ça quand j'arrête LOL, ça me manquera pas, hein, ce genre de truc. Je pense qu'on est tombé sur la bonne team. C'est vrai que League of Legends, ça dépend énormément de ta team. Hein. Si t'as une team de merde, peu importe ce que je fasse, la game est lose. Bon, allez, go. Du coup, je connais pas la route jungle. Moi, je vais faire à l'ancienne. Hein. Je fais red buff, blue, bleu. Oh, l'animation des PV est différente là. Quand ils perdent de la vie, le truc. Ok, good. Level up. Est-ce que je fais un gang niveau 2? Vas-y, on fait un gang niveau 2, mec. J'arrive. Je suis là. Go. Je suis chaud, mec. Hein. Là, on fait du sale. Go. Go, on dive. Ok, nice, je donne un kill au bot. Ça, c'est well played. Oh là là, j'ai toujours pas perdu la main. Hein. Mais après avoir arrêté, toujours aussi performant. Attends, on va essayer de venir top lane. J'arrive top. Attends, ma ward et le dash. Dash ward rapide. Go. Ok, c'est pas mal, en vrai c'est pas mal, on a mis pas mal de dégâts. Vas-y, hein, go, je tente, je suis là. Uch ! Hop là, le dash directement. Et ça c'est de la bonne game, first game après 2 mois d'absence. Toutes les mécaniques sont présentes, mec, ça s'oublie pas, c'est dans les gènes. C'est comme le vélo, mec, c'est exactement pareil. Je viens de préciser que Equa a dash sans un creep. Ah mec, hein, c'est du diamant, faut pas s'attendre à un niveau exceptionnel. Hein. Mec, diamant, c'est pas fou. Hein. J'ai jamais réussi à récupérer l'élo que j'avais. Mon meilleur élo qui était D2, gros D2, où je jouais avec du diamant 1. Ça, j'ai jamais réussi à récupérer. Hein. L'élo dans lequel on est, même en arrêtant le jeu pendant 6-7 ans, y'a aucune différence. Attends, on revient mid lane. Oh. Oh! Attends! Oh, c'est quoi? Hop! Bang! Et c'est ça le meilleur joueur, mon pote! On perd pas les mécaniques! Bon, je crois que je dois 1v9 cette game. Bon, j'ai hâte d'être niveau 6 en fait. J'ai hâte d'être niveau 6, voir si je suis capable de faire encore un insac assez propre. Hop, on back. Excellent. 1900 gold. Oh là là, la richesse. C'est vrai qu'on peut acheter des objets sur ce jeu. Bah, je vais prendre ça. Je vais revendre ça et on va acheter des chaussures. Les chaussures ont le même prix. Il n'y a pas eu de changement au niveau des prix, c'est cool. Non, j'ai pas de smite. Mais normalement... Ah oui, faut maxer 2 fois le Z, c'est vrai ça. Pour avoir un meilleur sustain. Ok, je passe niveau 6. J'arrive mid. Hop. Je suis là poteau.
Oh, elle a TP. Ok, good. Bah, actuellement 3-0, mec. On est bien. On est super bien. Franchement, je pensais que ça allait être bien, bien pire. J'ai l'impression que je reprends la main ultra rapidement. Je tiens à préciser que j'ai vraiment pas joué de moi, hein, mec. Hein. Je suis au courant de rien de ce qui s'est passé. Genre, par exemple, si Azo est dans la game. Déjà, Evelyn, je savais même pas qu'elle s'était portée avec l'ulti. Mais genre, si Azo est dans la game, je connais pas un seul sort. Putain, j'aimerais vraiment tenter une insec. J'ai juste envie de voir si j'arrive à faire une toute première insec. Genre, j'ai envie de voir. Ah, il est mort, je pense. What? Chronomètre brisé. Oh, script là. Et 1-0-4. Mais c'est faux! Putain, joue bien là! Voilà, on laisse le kill à Echo. Bien joué ça, Echo. Well played, mon pote. Moi je les ai kill. On est une team après tout, non? C'est pas chacun pour son cul. Faut bien aider les alliés aussi, leur donner des petits kills pour qu'ils se mettent bien. Là, regarde, c'est son premier kill. Il y avait pas de kill depuis le début, mec. Il m'a fait tellement de la peine. Il m'a tellement fait de la peine. Zéro, il est en 0-0-6. 0-0-6, Echo. Et là, il a un kill. Et là, ça me rend heureux, mec. Parce que c'est un petit peu son cadeau de Noël. Est-ce que je prends de l'armure? Ça rien de l'armure. Qu'est-ce que je peux prendre? Ouah, j'ai déjà envie de troll au niveau du stuff. Non, non, on va prendre une épée longue. Calme, 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 tranquille. Là, j'ai envie de partir sur un danseur fantôme. On va éviter. Et genre, une fois que c'est... Une fois que c'est utilisé, c'est terminé. Un composant du Zonia. Ah, c'est un sorte de mini Zonia, c'est ça? C'est un mini Zonia. Ok, je vois, je vois, je vois. Pas que j'oublie que j'ai pas un très bon late game avec mon petit Lee Sin. Ah oui, les dragons, putain, c'est vrai qu'il y a des dragons. C'est le premier Drake. C'est le premier dragon. J'ai un peu du mal à déplacer ma caméra. Oh là 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 là, c'est qui le meilleur? Pas besoin d'entraînement là. On va rush les SS là bientôt. Attends, regarde, 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 regarde. Ah, attends, parce que je me prends un coup de toile. C'est calculé, mon pote. Non, pas là, là, là. Oh, il m'a fait peur, le petit CS, hein. Le petit, la petite auto. Cette chatte, comment ça, cette chatte, mec? Cette perfection, cette performance. Y'a aucune shot. Oh, oh, oh! Non, aide-moi! Et quand? Fais quelque chose, putain, tu fais quoi? Oh, c'est un bait, une feinte. Oh! Ah. Faut bien mourir sur ce jeu, mec. Sur quoi go? Je peux rien, hein. Je peux rien acheter. Oh si, peut-être. Attends, on attend. Vas-y, j'attends. J'attends 30 gold. De toute façon, la game c'est instant, pas la game est terminée. Il y a pas de game. C'est free win. Et je fais claquer, et je fais claquer. T'as vu tout ce que j'ai fait claquer? Exhaust, merde, c'est un allié ça. Je sais pas ce que j'ai fait claquer. J'ai fait claquer des trucs. Un ulti aussi, Morgana. Morgana qui a ult, elle a paniqué. Ah, y a une ping là. Et là, ça va me faire un truc spécial normalement. Ah, tu vois, ça me met une ward. Une petite ward de merde à la place quand je la pète. Ok, on va prendre le red buff. Je crois, mais ok, toujours top lane. Là, je commence à récupérer de la vision de jeu en plus de ça. Holy shit. Là, elle a ult, elle a ult, on est d'accord.
C'est le W. Non, c'est son ZW. Un charme. Ok. Bon, si on fait top 1 sur cette game, je la mets sur YouTube. Hein. Une chance sur deux. C'est bien, ça se passe bien, mec. Tout le monde est en train de tout déglinguer. Ça se passe super bien. On a déjà le premier inhibiteur. Du coup, faudrait forcer l'inhibiteur du bot. On va forcer l'inhibiteur du bot. On va rejoindre le trash. C'est vrai que sur ce jeu, c'est pas que les kills qui sont intéressants. C'est aussi prendre les objectifs, push ensemble. Oh, je suis chaud là, je suis chaud là. Wow. Oh, pourquoi ça veut surrendre? Oh, je vais prendre le bleu. Quoi? Ah oui, ça aussi j'avais oublié. Ça c'est bien, ça me fait rappeler tous les souvenirs de League of Legends sur une seule game. Les invites foireuses. Les mecs qui rush qui sans aucune raison. Les mecs qui surrendent alors que c'est free win alors qu'on a deux fois plus de kills. Tu vois, il y a du bon comme il y a du... Il y a comme de la grosse merde qui me revient dans mes pensées. C'est quoi ce fils de pute? Ça push bien en tout cas au mid. Faut qu'on mette une grosse pression, faut qu'on la termine vite parce que... On est en 4v5 à partir de maintenant. Lui est en train de défendre. Il veut coller. Ok, c'est reco, nickel. Il joue bien en tout cas le trash, hein. Il met des belles petites lanternes à chaque fois. Enfin après des lanternes inutiles là, par exemple, parce que là... Là c'est de la merde, mais il a l'air de bien jouer. J'ai 1600 balles. Qu'est-ce que je devrais acheter? De la RM je pense. De la bonne RM, ça me ferait du bien. Il m'en faut. Il m'en faut limite ça. Et ensuite encore de l'RM. Et là je vais partir sur un gros truc de RM. Il est parti sur quoi Trèche? Il est pas parti sur... Sur ça, je sais plus comment ça s'appelle. Ça là, Égide de la Légion. C'est bien ça quand t'es contre une team full AP. Oh! Je la défonce, on est d'accord que je la défonce là! J'ai poussé parce que je veux pas me faire charme. Mais je comprends rien! Je comprends rien, mais je la défonce quand même! Putain, il s'est pris pour qui là? On va se casser quand même. Oh, le mec il me provoque! En duel! Ah, l'inhibiteur du bot qui va être récupéré. Au top, il va mourir. Oh, même pas. Même pas, il a réussi à s'en sortir, c'est génial. Et c'est une petite victoire incroyable pour le Fubriteur. Après 2 mois d'absence sur League of Legends, il lance une petite solo queue en plein stream, en diamant, pour une victoire écrasante. Tout simplement, une victoire écrabouillante. Fais des condensés de LOL sur YouTube. Bah, celle-ci, je pense que je vais la mettre entière vu que j'ai pas joué depuis longtemps sur LOL. Après, de temps en temps, mec, moi ça me dérange pas en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, ça me dérange pas de jouer à LOL ou quoi. Genre. En fait, moi j'ai pas apprécié. Il y a deux trucs qui me gênaient. Première chose, c'est que les gens forçaient énormément. C'est que les gens voulaient absolument avoir quelque chose par leur propre envie. Parce qu'ils forcent. Ils forcent énormément et ils vont tout faire pour avoir ce petit truc. Et ça, ça m'a gêné énormément parce que ça m'a fait un blocage. Parce qu'il y a des moments où je voulais jouer à LOL, mais juste pour pas donner raison à ces personnes qui forçaient, eh bien je faisais pas du LOL. Donc ça, c'est la première chose qui m'a saoulé énormément. Et la deuxième chose, c'est que j'avais pas l'envie en fait. Je vais pas me forcer si j'ai pas l'envie. Donc là j'ai fait parce que j'avais envie aujourd'hui. J'avais vraiment envie et je pense que ça se ressent. Est-ce que quand j'ai joué la game, est-ce que j'ai pris du plaisir? Je pense que ça se ressent que j'ai kiffé aujourd'hui la game. Donc j'ai envie de jouer vraiment si j'en ai l'envie. Vous comprenez ça? C'est important en fait pour un streamer. Et ça avant je faisais plus plaisir aux gens qu'à moi-même. Là maintenant je vais faire quand j'ai vraiment envie je jouerai. Quand j'ai pas envie je jouerai à ça. Ou quand j'ai envie de tester un nouveau jeu je le jouerai. Parce que j'ai envie de, moi d'abord kiffer en fait. Pour que vous ressentiez ce que je kiffe tu vois. Si vous ressentez pas que je kiffe et que vous voyez que je me fais chier, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, ça n'a aucun... Je streamerai pas sinon. Le fou, 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 fou.